aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire des transferts d'images le mieux possible. Le souci des particuliers, c'est que ça va être des transferts d'images de documents ou des transferts d'images de vous-même à partir de photographies ou de photocopies. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin pour ça un médium acrylique, comme ceci, et des copies, c'est-à-dire des photos extraites de tableaux de Botticelli de la Renaissance. Alors, commençons. Voici, il s'agit d'un support. De quoi est fait ce support? C'est une toile collée sur un carton. Vous pouvez obtenir ça facilement chez Robert Dessner ou Boucher de Dolorama. C'est pas cher et puis ça permet d'effacer l'image si vous n'êtes pas content et de recommencer. Donc, c'est plus ou moins dispendieux. Et de l'autre côté, l'image dont je vous ai parlé, une image photocopie de 6 par 7 prise à partir de la reproduction de peinture de Botticelli. Évidemment, vous pouvez prendre une photo de vous-même ou un autre document. Alors, commençons. Qu'est-ce que je fais? Je mets cette médium acrylique sur mon support et de l'autre côté sur la photographie. Je vais coller cette photo au centre de mon support. J'appuie bien pour que ce soit bien collé. Je n'ai pas mis de gants aujourd'hui, mais j'ai des gants en carreau de plastique. Alors, vérifier pour pas qu'il y ait de bulles, pour que ce soit bien collé sur le support. On voit bien là, ici qu'il n'y a pas de. Ça ne veut pas avoir de bulles là. Et bien précis, pour pas avoir de bulles. Voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais. Je vous conseille d'attendre pour que ce soit bien sec, attendre 24 heures. Et donc, c'est demain qu'on va pouvoir voir dans une autre séance que je vais vous montrer comment on fait pour enlever le papier, humidifier. On verra demain. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Si on récapitule. De quoi vous avez besoin donc? De l'acrylique, médium acrylique. Un contenant comme ça, un pinceau, un peu de pinceau, un support, comme ici. Support. Vous pouvez en acheter plusieurs, comme ça vous pouvez faire plusieurs expériences. C'est en travaillant beaucoup, en faisant beaucoup d'expériences, qu'on arrive à une certaine maîtrise. Alors, on va voir avec cette reproduction. Alors, le lendemain, je travaille avec ce papier bien collé, mon image. Allons voir qu'est-ce que ça donne. Il y a toujours un petit côté imprévu, mais ça fait partie du processus et de la création. Alors, qu'est-ce que je fais actuellement? J'enlève le papier. Le papier de l'image. Comment dire, c'est l'endos. C'est Alors, qu'est-ce qui reste? Le papier est enlevé. Il me reste Alors,
comme je disais, j'enlève le papier avec un linge humide, avec de l'eau, et ce qui reste, c'est juste l'encre qui est collée sur le, je trouve être collée sur ma toile. J'utilise encore la main pour être sûr. Et ensuite, le mouille papier, voici notre. Pour que l'image reste claire. Alors, voici la Vénus de Botticelli. Belle, n'est-ce pas? Alors, la prochaine étape, ça va être, ça me tente, oui, ça me tente d'ajouter de la couleur à cette image qui est en noir et blanc. À tout à l'heure. Alors, c'est une étape couleur. C'est très simple, je vais utiliser deux couleurs, du bleu et du rouge. Et je vais diluer ma couleur un petit peu avec ce liquide acrylique médium. Alors, je vais mettre un peu de médium acrylique sur ma surface. Allons-y avec un petit peu de rouge. Un peu bleu. Je vais le sécher un peu pour que ce bleu se mélange trop au rouge. Et voilà mon portrait de Botticelli. Alors, dans une autre séquence, je pourrais utiliser mon portrait et vous pouvez le travailler et puis et faire des essais, des expériences avec votre propre photographie qui est bien amusante. Merci.